substituts nicotiniques ne rendent pas dépendants à la nicotine. Au contraire, ils permettent de guérir de cette dépendance. Dans le tabac, quand on fume une bouffée de cigarette, la nicotine arrive dans quelques secondes dans le cerveau. Et c'est ce shoot dans le cerveau qui stimule les récepteurs et alimente la dépendance à la nicotine. Dans les substituts nicotiniques, la nicotine arrive doucement sur ces récepteurs et permet au contraire d'éviter les signes de manque qui sont l'irritabilité, la nervosité, la baisse de morale, les fringales, les troubles du sommeil, et permettent donc de guérir de cette dépendance à la nicotine. D'autre part, la nicotine n'est pas la substance toxique dans la cigarette. C'est celle qui rend dépendant, mais pas celle qui est toxique. On peut donc mettre des doses de substituts nicotiniques sans avoir peur d'aucune toxicité. Par ailleurs, si vous les utilisez, vous pouvez tout à fait nous contacter dans l'équipe de liaison de soins et d'addictologie, et nous serons prêts à vous recevoir et à répondre à vos questions. Thank you.